Pour rendre effective leur dynamique, René Demezo s'est fait accompagner à Bitam par le vice-président de l'Union nationale, Jean Eyrondon. Une occasion pour ces derniers de rappeler aux Bitamois son discours en 2009 où il prédisait l'avenir incertain du Gabon. En 2009, j'avais tenu un discours. Je vous ai prévenu en disant que l'enfant là. Allez vous châtier avec la discipline, la loyauté, l'unité, l'excellence et l'amour du prochain. Une opportunité pour Albert Yangari de faire un témoignage sur la ville de Bitam. Vous savez, un bébé quand il est né, quand il ouvre les yeux, c'est le sac de famille. Il ouvre les yeux devant sa mère, devant son père, ses frères et soeurs au village. C'est la première personne qui est moi. Après, quand il grandit à l'école, on se met à l'école à 6 ans. Donc, 6 ans. Cela est bon à 6 ans. 6 ans à 10 ans, ce sont les maîtres qui m'ont donné leur formation. C'est eux qui m'ont formé et qui m'ont donné leur culture. Les membres du Front ont également, pour la circonstance, présenté officiellement le candidat de l'Union nationale et de toute l'opposition aux élections partielles du 8 août prochain à la personne de Patrick Eyorézan.